observez votre propre forme authentique et la façon d'observer Bouddha. Si vous pouvez faire l'expérience de vous-même sans être la proie de distraction, alors dépassez toute partialité et allez au-delà de tout concept. Tous les Bouddhas et tous les esprits atteignent l'essentiel dénué de toute dualité. Les moines qui portent le kesa marchent silencieusement et demeurent tranquilles, l'esprit vide, merveilleusement pénétrant, exactement comme la vacuité suprême pénètre ce kalpa de poussière. Pleine de dignité, sans compter sur qui que ce soit d'autre, et radieuse au-delà de tout doute, préservant cette priorité, l'énergie fait un demi-tour et transforme toute aliénation. Passant à travers le monde en faisant face aux situations, l'illumination est dénuée de lutte et marche sans laisser de traces. Depuis le début des temps, les nuages libèrent joyeusement la pluie, emportant les obstacles du passé. L'enseignement direct est très pur et régulier. Rien ne peut le bloquer. Immédiatement, et sans permettre au passé de vous faire revenir en arrière, mettez-le en pratique de façon authentique. Ceux qui engendrent une descendance sont appelés des patriarches. L'endroit d'où le courant jaillit est appelé la source. Après avoir vu la source et avoir reconnu les patriarches, avant que votre éveil ne se disperse, soyez inébranlables et ne suivez ni la vie, ni la mort, ni le passé. Si vous ne succombez pas, alors tous les êtres manifesteront la totalité. Éveillez-vous, et alors, la terre, les racines et les particules de poussière sont libérées. Bien que vide de désirs et sans délibérations internes, la compréhension au-delà n'est certainement pas enfermée. La compréhension parfaitement brillante ne se soucie aucunement des 10 000 images et ne peut s'égarer. Dans chaque grain de poussière se trouve une vaste abondance. Dans 100 000 samadhis, toutes les voies sont majestueuses, tous les dharmas sont satisfaits. Encore devez-vous les rassembler et les emporter en vous. Pour atteindre cette glorification, retournez à la source et soyez au service des patriarches. Joignez-vous ensemble dans l'unité, observez-vous vous-même et continuez. De l'illumination silencieuse et sereine, et la voûte céleste dans le clair automne, brillant sans effort, étincelant à travers la lumière et l'ombre. À ce point de jonction,
la totalité est suprême et émerge de façon authentique. La source claire est réalisée avec l'esprit. L'axe est large et l'énergie vivante. Tout apparaît dans sa brillance originelle. Le centre est évident et reconnu comme tel. Tous les événements divers sont accomplis. Le yin et le yang sont en équilibre et les 10 000 représentations ne sont plus différenciées. Douze et égale, magnifiquement en paix, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le ciel est semblable au ciel, les gens sont semblables aux gens, sensibles jusque dans leur corps, manifestés dans leur forme, répandant le dharma. Cette capacité est complètement actualisée, abolissant tout obstacle. Et les dragons se poursuivent harmonieusement. Très naturellement, ils n'éprouvent aucun besoin d'exprimer leurs intentions ni aux uns ni aux autres. De la même façon, les moines portant le kesa s'accommodent entre eux et, s'appuyant sur les causes et les conditions, peuvent pratiquer ensemble harmonieusement. Arrivant subrepticement, se révélant de façon évidente, les merveilleux nuages et les dragons entrent en scène et ne peuvent être confondus. Volant au-dessus des 10 000 phénomènes, chacun présente distinctement une image spectaculaire. Sans même l'écart d'un cheveu entre eux, jaillissant avec spontanéité, ils démontrent de façon claire ce que signifie retourner à son refuge. Mais ils doivent encore étudier jusqu'à ce qu'ils aient mangé à satiété. Les nuages se dispersent et les vents cessent. Le ciel d'automne s'éclaircit et la lune monte à l'horizon. Les eaux des cieux sont sans limite. Lorsque la terre est tranquille, la clarté commence à être réalisée. La voie n'est pas ce que les patriarches transmettent. Avant que les patriarches n'apparaissent, elle remplissait déjà tout l'espace. La vacuité en elle-même ne possède aucune caractéristique. La spiritualité ne peut être imitée. De par elle-même, l'illumination surgit des causes et des conditions. Vivre constamment en dehors des apparences de surface est être appelé un patriarche. Simplement, certifiez et unissez-vous avec cela. Cela ne peut vous être transmis. Tous les Bouddhas arrivent à ce point et le considèrent comme le point ultime. Ils affrontent les transformations et dispersent leur corps comme des fleurs, des feuilles, des racines et des poussières. La sagesse pénètre les 3 temps, et les 10 000 changements ne nous dérangent nullement, aucun grain de poussière ne nous est étranger.
Cette merveille est au-delà des vastes milliers de textes classiques. Alors, comment pourriez-vous vous accrocher au monde des ombres ? Clair jusque dans vos entrailles, complètement silencieux, illuminez la source, vides et remplis de l'esprit, vastes et brillants. Bien que vous ayez examiné votre image avec lucidité et qu'aucun écho ni ombre ne la trouble, en cherchant plus à fond, vous voyez que vous avez toujours fait des distinctions entre les mérites de centaines d'entreprises. Alors vous devez faire un pas en arrière et atteindre directement le centre du cercle d'où provient la lumière. Magnifiques et indépendants, vous devez encore abandonner tout prétexte de mérite. Comprenez vraiment que les nommés engendrent les êtres et que ceux-ci s'élèvent et tombent, entremêlés. Lorsque vous pouvez partager votre vous-même, alors vous pouvez gérer les affaires, et vous possédez le tampon pur qui certifie les 10 000 formes. Voyageant dans le monde, à la rencontre des phénomènes, chacun entre soi-même joyeusement dans toutes les illusions, comme dans des samadhis, et accepte ce comportement qui est de se vider soi-même de façon à ne pas être plein de soi-même. La vallée vide reçoit les nuages. Le fleuve tranquille reflète la lune. Sans partir et sans demeurer, bien au-delà de tous les changements, vous pouvez enseigner sans but ou attente personnelle. Tout, partout, retourne à la terre d'antan. Pas un seul cheveu n'a été bougé, plié ou soulevé. En dépit de centaines d'horreurs ou de milliers de stupidités, la marmite placée debout est naturellement salutaire. Les réponses de Zhao Zhu, lave ton bol et bois ton thé, ne requièrent aucune explication. Depuis le début, elles ont toujours été parfaitement limpides. Observez chaque chose avec un œil complètement ouvert et la conduite spontanée d'un moine portant le kesa. Étudiez profondément le Bouddha et recherchez la subtilité de sa lignée. Vous devez clarifier votre cœur, plonger dans l'esprit et vous promener en silence dans la contemplation, saisissant la source du Dharma. Sans étroitesse d'esprit ou sans couper les cheveux en quatre pour créer des obstacles, soyez magnanime au-delà des apparences. Splendides et chatoyants, comme les rosées rafraîchissant l'automne, nobles comme la lune terrassant l'obscurité, depuis le commencement, resplendissez à travers l'obscurité, libre de toute entrave. Toujours tranquille et glorieuse,
La tranquillité n'est pas éteinte par des causes. La gloire n'est pas gâchée par les ombres. Libre, lisse et pur, le kalpa de la vacuité ne bougera pas, ni ne secouera, ni n'obscurcira cette source. Capable de rester serein et de savoir, alors vous pouvez marcher ici en sécurité. Le vaisseau de jade fait demi-tour, vous donnant l'énergie d'en faire de même, de partager ce que vous êtes et de réagir au monde. Dans ce royaume se situent les formes séparées et limitées, mais toutes celles-ci ne sont que celles que nous établissons nous-mêmes, ceci résultant de nos quatre propres éléments. Comment pourrait-il y avoir d'obstacles, étant donné que cet esprit est totalement sans obstacles? Étant donné que cet esprit est totalement sans obstacles, il n'y a aucune différence entre celui-ci et moi. Moi-même et les autres ne sont pas séparés par leur nom. Les couleurs et les sons se bousculent ensemble, insouciants et transcendants, bondissant les uns sur les autres. Alors, il est dit que les montagnes et les rivières ne sont point séparées. Vous devez mettre ceci en pratique, comme la lumière qui luit partout. Le champ de l'esprit brillant est une ancienne région sauvage qui ne change pas. Avec une détermination illimitée, parcourez cette large plaine immaculée. Les nuages qui passent enlacent la montagne. Le vent de la famille est calme et simple. Les eaux de l'automne reflète la lune dans sa pure brillance. Lorsque vous arriverez là, vous serez capable de reconnaître directement ce champ du Dharma, terre de l'esprit, qui est la racine originelle des 10 000 formes qui germent dans une fertilité qui ne se fane jamais. Ses fleurs et ses feuilles sont le monde entier. Alors, il nous est dit qu'une seule graine contient tout un champ en friche. N'arrachez pas les nouvelles pousses, et le soi fleurira. Une personne de la voie ne réside fondamentalement nulle part. Les nuages blancs sont fascinés par le bas de la montagne verte. La lune brillante aime être emportée par le flot de l'eau. Les nuages s'en vont et la montagne apparaît. La lune se pose et l'eau est tranquille. Chaque petite facette de l'automne contient un vaste échange sans limite. Chaque poussière englobe la totalité, mais elle ne m'atteint pas. Les 10 000 changements sont pacifiés, mais cela ne m'ébranle pas. Si vous pouvez être assis ici, empli de stabilité, alors vous pouvez librement faire un pas de l'autre côté et vous engager dans le monde avec énergie.
un excellent dicton précise que les six portes des sens ne sont pas voilées et que les routes menant dans toutes les directions sont vierges de toute empreinte de pas. Arrivant toujours partout sans erreur, doux mais sans aucune hésitation, une personne réalisée sait où elle va. Le vaste espace englobe tout, la vacuité ultime aussi. Toute connaissance s'applique efficacement de la même manière aux 10 000 formes. Si aucune distinction n'est faite entre aucun grain de poussière de l'extérieur, alors vous pouvez vous adapter à toutes les circonstances. Si aucun grain de poussière n'est dédaigné à l'intérieur, alors vous pouvez demeurer en méditation. Étant donné que l'intérieur est vide et peut interagir, absorber ou ne pas absorber quoi que ce soit est équivalent. Étant donné que l'extérieur est étroitement relié est constamment vide et disponible, demeurer ou ne pas demeurer est équivalent. Les moines portant le kesa entrent en samadhi juste comme le vent familier passe à travers le monde entier. Le royaume du Dharma dans les 10 directions naît de l'esprit unique. Lorsque l'esprit unique est tranquille, toutes les apparences sont entièrement épuisées. Qui est là-bas? Qui suis-je moi-même? C'est seulement lorsque vous ne faites aucune différence entre les formes qu'aucun grain de poussière ne prend pas d'existence propre et qu'aucun souvenir n'est généré. Soyez conscient que même avant que vous ne soyez dans le ventre de votre mère et même après que votre enveloppe de peau n'ait disparu, chaque instant est d'un éclat étonnant, plein et entier, ne tolérant aucune peccadille. Lorsque véritablement rien ne peut être obscurci. Ceci est appelé connaissance de soi-même. Par conséquent, seul le fait de se connaître soi-même est appelé réalisation véritable. Ni même un seul cheveu ne reste sans attention. Magnifique. Avec une originalité subtile, l'écoute authentique est sans aucun son. Alors, il est dit qu'où se trouve la perception sans yeux ni oreilles, là se trouve la merveille confirmée et réalisée. Des fleuves de lumière en jaillissent et des milliers d'images apparaissent. Chaque être est cette merveille, rassemblée dans le royaume où les moines qui portent le kesa agissent seuls. Il est essentiel de ne rien emprunter de la demeure des autres. Pour cultiver votre propre demeure,
Vous devez en faire l'expérience de façon claire et intime vous-même. Rendez-vous compte totalement de la vacuité de tous les dharmas. Alors, tous les esprits sont libres et toutes les poussières s'évaporent dans la clarté originelle qui luit partout. Vous transformant au gré des circonstances, rencontrez tous les êtres comme vos propres patriarches. Illuminez de façon subtile toutes les conditions. Soyez magnanime au-delà de toute dualité. Clair et sans désir, le vent dans les pins et la lune dans l'eau sont satisfaits par eux-mêmes. Sans que leurs esprits interagissent entre eux, celui du vent et des pins, celui de la lune et de l'eau, ils ne se gênent ni les uns ni les autres. Fondamentalement, vous existez dans la vacuité et avez la capacité d'agir vers l'extérieur sans être contrarié, comme le printemps en fleurs, comme un miroir reflétant les formes. En plein milieu du vacarme, transcendez-le spontanément. Lorsque le chant est tranquille et familier, lorsque la grande œuvre est semblable à l'étang clair et tranquille, alors vous verrez le kalpa du vide. Ne permettez à aucun cheveu ni de vous attacher, ni de vous aveugler. Soyez entièrement vide et clair, pur, sans accroc et glorieux. Les 10 000 anciens apparaissent les uns après les autres successivement, sans être aucunement cachés. Si par un signe de votre tête, vous pouvez exprimer la connaissance de toutes choses, vous ne courez pas après la naissance et la mort, et ne tomberez ni dans le nihilisme, ni dans l'hérésie éternaliste. Si vous voulez faire preuve de décision juste, alors vous devez vous transformer en suivant les 10 000 formes. Si vous voulez rester tranquilles et constants, vous devez être comme la terre et le ciel. Apparaître ou disparaître, partir ou rester sont entièrement de votre choix. De cette manière, les personnes qui connaissent leur visage originel doivent savoir comment se rassembler ou se séparer. Le jour,
le soleil, la nuit, la lune, chacun à son tour n'aveugle pas l'autre. Ceci est la façon régulière de pratiquer d'un moine portant le kesa, naturellement sans bord ni couture. Pour obtenir une telle pratique régulière, vous devez complètement vous retirer du tapage et de l'agitation de vos idées enracinées. Si vous voulez être libéré de toute agitation invisible, vous devez simplement vous asseoir et abandonner tout. Atteignez la réalisation et soyez complètement lumineux, tout en oubliant la lumière et l'ombre. Abandonnez votre propre peau et toutes les poussières des sens seront complètement purifiées, l'œil discernant facilement la clarté. Acceptez votre fonction et soyez complètement satisfait. Rien ne vous arrête dans le monde entier. En tout temps, vous agissez en accord avec tout. Au milieu de la lumière, il y a l'obscurité. Au milieu de l'obscurité, il y a la lumière. Le bateau solitaire transporte la lune. Durant la nuit, il réside au milieu des fleurs de roseaux, oscillant doucement dans un éclat total. Et éblouissantes, les limites du champ ne peuvent être perçues par l'œil. Sereines et grandissantes, ses directions et ses coins ne peuvent être découverts par le conditionnement de l'esprit. Les gens qui méditent sincèrement et de façon authentique sont persuadés que ce champ les a toujours accompagnés. Les bouddhas et les démons ne peuvent l'envahir. La pollution ne peut l'empoisonner. Carré ou rond, ils en apprécient le centre. Leur conduite et leur pratique s'accordent avec la norme. Avec une efficacité amusante, aussi nombreux que les grains de sable du Gange, ils mûrissent harmonieusement les uns les autres. Notre vie s'élève de ce champ. À partir de ce champ, elle est satisfaite. Ce cas inclut tout le monde. Allez juste de l'avant et essayez de voir. Les gens qui connaissent cette vérité hoche la tête avec compréhension. Avec l'avant-bras replié vers le corps, chacun peut faire face à tout événement. Le troisième œil illumine de lui-même l'abandon solitaire du corps. Les deux s'assemblent ou se séparent, sans rien d'intérieur ni d'extérieur. Plusieurs milliers de royaumes apparaissent aussi avec soi-même. Les trois temps sont naturellement transcendés.
vaste vacuité sans limite, illuminée intrinsèquement par sa propre clarté. Ceci se passe quand toutes les apparences illusoires sont épuisées. Ce qui n'est pas épuisé est l'esprit profond qui n'est concerné ni par la vie ni par la mort. Arrivez dans ce champ, abandonnez ouvertement toute dépendance. Lorsque les poussières des conditions ne le polluent pas, toutes les situations se marient intimement. La boîte et le couvercle et la rencontre des pointes de flèches sont de bon augure et ne manquent pas la cible. Parcourant et jouant dans le samadhi, les gens dans cet état acceptent leur fonction. L'œil supérieur et le coude complètement replié sont les seules choses que ce moine transmet et que vous devez profondément mettre en pratique. Recevez correctement ce flot de paroles d'un moine. Ce flot n'est ni congelé, ni ne s'écoule, ni transparent, ni opaque. Lorsque vous l'essorez, pour en faire sortir toute l'eau, profitez de l'occasion. Lorsque vous pénétrez dans l'agitation des affaires, percevez-les avec une vision globale. La compréhension minutieuse et le monde en changement se réalisent l'un l'autre totalement sans obstacle. La lune accompagne le courant. Le vent couche l'herbe. Il scintille et se balance. Personne n'est dans la confusion. Ainsi est-il dit que des choses différentes ne sont pas semblables, mais que derrière chacune d'elles se trouve la voie. Sachant cela, à chaque occasion, vous pouvez agir en conséquence. Au-dessus des pointes des herbes blanches, ramassez ce que vous avez rassemblé, ramenez-le, et agissez de façon appropriée. Trouvez votre place, portez votre kesa, avancez et occupez-vous de vous-même. L'unité n'est pas une matière qui puisse être apprise. L'essence en est de vider et d'ouvrir le corps et l'esprit dans une expansion aussi immense que celle de la vacuité de l'espace. De façon naturelle, dans cet espace tout entier, tout est satisfait. Cet esprit puissant ne peut être détourné. Instant après instant, il ne peut être dans la confusion. La lune accompagne l'eau qui coule. La pluie suit les nuages qui s'envolent. Calme et déterminé, sans chercher quoi que ce soit, une telle intensité peut être réalisée.
Simplement, ne vous laissez pas entrer en conflit avec les choses. Et alors certainement, rien ne le sera avec vous. Corps et esprit sont pareils. En dehors de ce corps, il n'y a rien d'autre. La même substance et la même fonction, une nature et une forme, toutes les facultés et tous les objets sont immédiatement transcendés. Ainsi, il est dit, le sage est sans soi, et pourtant, rien n'est pas lui-même. Tout ce qui apparaît est instantanément compris. Vous savez comment le récolter ou comment le laisser. Soyez un bœuf blanc dans un champ sans clôture. Quoi qu'il se passe, rien ne peut l'en chasser. Le comportement juste des personnes de la voie est semblable aux nuages qui passent sans accrocher quoi que ce soit, semblable à la pleine lune qui se reflète partout dans l'univers sans être confinée nulle part, se miroitant dans chacune des 10 000 formes. Dignes et droits, éveillez-vous et rencontrer toute la variété des phénomènes, sans contrainte ni confusion. Comportez-vous de la même manière vis-à-vis de tous, car tous sont faits de la même essence que vous. Aucun langage ne peut transmettre un tel comportement. Aucun raisonnement ne peut l'atteindre. Bondissant au-delà de l'infini, étranchant toute dépendance, soyez serviable, sans rechercher un quelconque mérite. Ce joyau ne peut être évalué ni consciemment, ni émotionnellement. Dans ce voyage, acceptez votre fonction, nourrissez-le en vous-même. Saisissez la vie et la mort, quittez les causes et conditions. Réalisez pleinement que depuis le début, votre esprit est libéré. Alors, nous a-t-il été dit que l'esprit qui embrasse les 10 directions ne demeure nulle part.